Et toi? C'est pas inintéressant, et puis c'est bien payé, il y a une bonne mutuelle, mais ça m'obligerait à quitter mes proches. Le cabinet, Boston, c'est une occasion formidable. Je sais rien. Je me demande si donner des cours, c'est vraiment un truc pour moi. On a qu'à poser pour quelqu'un. Fini les appels en cabinet. Ouais, mais c'est pas très excitant, un métier avec des horaires fixes. Peut-être, mais tu n'auras plus à poursuivre des malfaiteurs en te mettant en danger. Ça peut faire de l'exercice. T'auras une salle de sport comme ça. Quoi d'autre encore? Tu te feras plus tirer dessus. Et c'est bien, ça, l'enfant? Ça sera pour ta mère. Ok, mais tu le gardes pour toi, le temps que je prenne ma décision. Ça va de soi. Merci. C'est une journée idéale pour aller au parc. Pas pour bien, là. C'est un jeune homme qui a donné l'alerte. Mettez-moi. Non, l'endroit était désert à cette heure matinale. Non, c'est un méchant coup de fusil. J'ai demandé qu'on fouille les alentours au cas où, mais on n'a encore trouvé aucune arme. Un type bien habillé, seul dans le parc. Et si c'était un vol? Il a toujours sa montre et son portefeuille. Michael Steele, 1818 Descartes Street. J'ai envoyé Franky là-bas et je lui ai demandé à Nina de se renseigner sur lui. Mora, t'en penses quoi? L'arme semble être un fusil de chasse et les munitions des gélatines double zéro. D'après la forme de l'impact, le tireur se trouvait à une distance comprise entre 5 et 7 mètres. Il se cachait peut-être dans ses buissons. Les branches sont cassées et il y a des traces par terre. Tu crois que c'était une embuscade? Il y a un truc qui cloche. C'est pas un contrat, les tueurs à gages n'utilisent pas de fusée de chasse. Et c'est pas un seul non plus, ça va en clair. Un autre voile? J'ai horreur du hasard. Dis-moi, t'as quelque chose? Je viens de chez la victime, je te raconte pas la part de malade. Bref, ouais, il était nickel et rien semblait manquer. J'ai trouvé ça en revanche. Une facture de téléphone portable. C'est franchement bizarre, parce que j'en ai trouvé aucun sur place. Mais si tu n'en avais pas suivi. Tiens, c'est ce numéro. Tu peux essayer de le localiser? Mm-hmm. Tout va bien? Oui, ça va. T'as des infos sur Michael Steele? 42 ans, expert comptable, il possède son propre cabinet et sa spécialité, c'est la comptabilité judiciaire. Il a pour clients des établissements financiers de taille et de type variés. Jamais trouvé comptable, aucun problème d'argent, pas casier, aucune plainte engagée contre lui. Pourtant, quelqu'un l'a tué. Ok, Nina. Qu'est-ce qu'il a? J'ai fait quelque chose de mal ou... Non, c'est pas à cause de toi, pas vraiment. Pas vraiment, oui, en clair, c'est à cause de moi. Ma mère est à Boston. Mais alors, je croyais que vous étiez proche de tes deux. Oui, mais j'aime pas comment elle traite mes amoureux. Je vois. Ça va aller, t'inquiète. Tu sais pas qui c'est. Explique-moi alors. Le logiciel a localisé le téléphone. Le téléphone de la victime émet sur une antenne relais à l'est de notre position. C'est vrai. C'est la meilleure, celle-là. Comment son portable a pu atterrir aussi loin? Ça passe pas là, tout emporté. Tu es pour un téléphone. Mais où va le Global Holdings. Edouard est un notable et un philanthrope. Combien de temps a duré votre union?
nous sommes vite revenus à la raison et nous avons fait annuler le mariage dès lundi. Peut-on vous les souvenir? Nous étions jeunes et un peu bêtes, mais pas ivres. On est dans un poste de police, pas dans une émission télé. Le mariage de Morane n'a rien à voir avec cette affaire. Je pense qu'on ferait mieux de se limiter au fait. Okay. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Edouard concernant notre enquête et non ce mariage dont on ne sait absolument rien? Nous ne nous sommes pas revus depuis des années. J'ai lu dans le journal qu'il avait pris la tête de la société familiale à la mort de son père, mais à part ça, je ne vois pas trop quoi ajouter. Très bien. Merci, Morane. Une dernière chose. Si jamais son état s'améliore, tu me prie? Oui, pas de soucis. Je vous laisse. Ben quoi? Je suis curieux, c'est tout. Est-ce que tu veux bien te regarder sur cet Edouard Bannon? Ouais. Qu'est-ce que Monsieur Hines faisait avec le téléphone de notre victime à ton avis? J'aimerais bien lui poser la question. Les médecins disent quoi? Rien de neuf. Il est toujours plongé dans le coma. Joanne? Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. J'ai pas une minute à moi avec les enfants, la danse, le judo. Et Ron, comment va-t-il? Écoutez, il se porte bien. Tant mieux, je suis ravie de l'entendre. Un de ces jours. Au revoir. Angela, attendez. Je suis navrée de la façon dont ça a tourné entre vous et lui. J'ai jamais... Vous n'avez pas à vous excuser, d'abord. Chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour ses enfants. J'aurais jamais cru que vous alliez rompre après notre discussion. Votre père est un homme formidable qui aime sa famille plus que tout et je ne voulais pas que des petits soucis personnels viennent se mettre entre vous deux. J'ai vu que vous aviez posté une photo de votre petit garçon en train de s'amuser au milieu de tous ses jouets. Est-ce qu'il est mignon? Merci. Prenez soin de vous. Vous aussi. Bonjour Kent. Lieutenant. On est d'accord, mais il n'y a pas de surprise pour la cause du décès. Non, il est mort d'une hémorragie massive provoquée par un coup de fusil. Aucune trace de drogue ni d'alcool dans le sang, et l'analyse physiologique n'a rien révélé d'inhabituel, du moins pour un homme de 42 ans au mieux de sa forme. Et les vêtements d'Edward Dunn? Nous avons découvert du sang appartenant à la victime sur sa veste, dont l'examen visuel a également révélé la présence de résidus de type. Qui prouve que c'est le tueur? Difficile. Les veines ne sont pas. Non, tout là. Ok, dans ce cas, on va étendre les recherches pour retrouver ce fusil. Le coupable a peut-être jeté un seul fusil. Possible. Comment va-t-elle? J'en sais rien, elle parle très peu. Moi, j'attends. Notre victime et Edouard n'ont aucun point commun. Mais depuis une semaine, ils s'appellent régulièrement avec leur téléphone professionnel. Pourquoi un gros fonds de placement s'adresserait à un petit cabinet de petit comptable? C'est peut-être l'inverse. Notre victime, Michael Steele, était expert comptable judiciaire.